Enfin, IMF, ici FX0, ISS, je vous reçois. Bonjour à tous, meilleurs vœux à tous, c'est un plaisir d'être avec vous, je suis prêt à répondre aux questions, over. Bonjour Quentin, oui, mais tu sais, bon, on est spationaute européen maintenant, donc on peut être un citoyen de tous les pays de l'Europe, over. J'aime beaucoup être dans l'espace, mais la seule chose qui me manque, ce sont mes proches, mes amis, ma famille. Donc si je pouvais les emmener avec moi, je préférerais être dans l'espace. Over. Bonjour Eva. Oui, c'est important, là, des entraînements qui se déroulent sous l'eau, en piscine ou même sous la mer. Mais c'est important même, tu sais, dans la vie de tous les jours pour savoir de savoir nager. Over. Eh bien, écoute, moi j'ai pas beaucoup grandi, j'étais déçu parce que moi j'aime beaucoup le basket, j'aurais aimé être plus grand, mais j'ai grandi que de 2 cm, over. Bonjour Jason, on mène des expériences scientifiques tous les jours. Aujourd'hui, ce matin, j'ai participé déjà à 3 expériences, over. Bonjour Clémence, oui c'est possible, mais les larmes resteraient collées à l'œil et ça formerait petit à petit une bulle, over. La plus belle chose dans l'espace, c'est la Terre. Et sur la Terre, il y a énormément de choses très très belles qu'on regarde de loin ou de près. Mais moi, ce qui m'impressionne beaucoup, c'est les villes, la nuit avec toutes les lumières, c'est magnifique. Over. Bonjour Sacha, bah, écoute, on les lave pas, on les porte assez longtemps et ensuite on les jette parce que malheureusement, on n'a pas de machine à laver dans la station spatiale. Over. Écoute, il y a plusieurs dangers. Celui qu'on redoute le plus, je pense, ce serait une dépressurisation. À l'extérieur, c'est le vide. À l'intérieur, on a besoin d'oxygène et d'air pour respirer. Donc si on fait un trou dans la coque de la station spatiale, malheureusement, l'air s'échappe. Et si on est frappé par une micrométéorite, ce serait ce qui se passerait. Donc c'est ça qu'on redoute le plus. Over. Bonjour Cassandra. Non, on peut pas entendre ça. Tu sais, dès que c'est des débris un peu gros, on les évite, et s'ils sont petits, on les entend voir, par exemple, sur les fenêtres de la station, parfois il y a des minuscules impacts, comme si on avait été frappé un pare-brise, tu sais, par des graviers. Over. Bonjour Louise, eh bien, pendant mes soirées, tu sais, on dîne avec les autres astronautes, on discute un petit peu, on appelle nos familles au téléphone, moi je prends beaucoup de photos, je les envoie par email, et puis on essaie de s'occuper comme ça. Over. Oui, on éteint toutes les lumières, enfin presque toutes les lumières dans la station la nuit, on les réallume toutes le matin pour se donner l'impression qu'il y a un cycle de 24 heures. Over. Bonjour Younes, non, on ne peut pas utiliser notre téléphone mobile, il n'y a pas de réception, on n'a même pas le droit de l'emmener parce que tu sais, il faut faire attention avec les équipements électroniques, il faut qu'ils soient testés, donc on a juste un ordinateur, on peut envoyer des emails. Over. Internet très limité dans l'espace, dans la station. On peut aussi envoyer par mail des images qui sont tweetées depuis le sol. Over. Bonjour Evan, oui, malheureusement, on peut la voir, on peut voir la déforestation, on peut voir les rivières qui charrient beaucoup de déchets, donc il faut faire attention à l'environnement, c'est important pour vous qui êtes jeune. Over. On essaie d'en produire le moins possible, et ça c'est important sur la Terre aussi, mais nous évidemment on n'a pas beaucoup de place. On essaie d'en produire le moins possible, mais malheureusement on a besoin de s'en occuper nous-mêmes. Tu sais, personne n'est là pour nous ramasser les poubelles, donc on se rend compte à quel point l'être humain produit beaucoup de déchets. Il faut essayer de limiter ça le plus possible. Over. Non, parce qu'on est un équipage de 6, tu sais, on parle à la radio avec le centre de contrôle tous les jours qui nous aide à faire notre travail, et puis le soir on peut appeler notre famille, donc on se sent pas très seul. Over. Bonjour Camille, mon plus grand rêve, bah, écoute, j'en ai plusieurs, j'aimerais moi explorer l'espace un peu plus loin, aller sur une autre planète, ça ce serait formidable, et puis aussi qu'on arrive à améliorer la vie sur Terre au moyen de notre travail dans l'ISS, ça ce serait un super résultat aussi. Over. Céline, écoute, on est ravitaillé par des...
véhicule cargo qui nous amène non seulement de l'eau, mais aussi de l'oxygène, des habits, de la nourriture, des pièces détachées, etc. Et puis aussi, à bord, on recycle l'eau de la condensation, l'humidité, aussi l'urine. On recycle tout ce qu'on peut pour être approvisionné le moins possible. Bonjour Louane, oui, j'aimerais aller sur une autre planète. On a des projets de retourner sur la Lune, notre satellite. On a des projets d'aller sur Mars dans quelques années. J'espère que j'y participerai. Over. Bonjour Carole, fuseau horaire adopté. C'est l'heure UTC, l'heure du méridien de Greenwich, l'heure universelle. Comme ça, tout le monde est sur la même heure. C'est plus facile pour travailler. Over. Bonjour Victor, stressé, c'est pas le mot, mais c'est à ce moment-là que c'est le plus dangereux, évidemment. On est dehors, on n'est pas à l'intérieur du vaisseau, on est moins protégé, on est un peu tout seul. Il faut faire attention de pas lâcher la structure. Bon, il faut faire un peu plus attention, donc on est plus concentré. Over. Merci à tous, c'était un plaisir d'être avec vous et je vous souhaite encore une fois une bonne année. Je vous donne rendez-vous après la mission.